Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'une réponse à un problème. Ici, dans cette ancienne carrière, à côté de Roquefort-les-Pins, on construit des maisons mobiles pour mettre à l'abri des femmes victimes de violences conjugales. Les petites maisons que nous construisons dans notre atelier sont destinées à héberger des femmes victimes de violences avec leurs enfants. Les petites maisons sont des maisons très cosy, des grandes maisons en minuscules qui vont permettre pendant un temps à ces familles de se reconstruire dans un endroit joli, agréable et bien aménagé. Donc là, on a le petit coin repas, le petit coin cuisine, un petit coin salon. Et là, au-dessus, tu as les couchages, donc avec un double lit là derrière, un lit simple et un autre double lit là. Et on n'est que dans 14 mètres carrés au sol. Et ce projet, il a aussi un deuxième intérêt, il permet l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Donc les salariés en insertion de Chantier Plus viennent apprendre, en construisant ces petites maisons, de multiples métiers du bâtiment, depuis la construction ossature bois, la structure de nos petites maisons, jusqu'à l'électricité, la plomberie, la couverture et l'isolation. Sous l'égide d'un chef d'équipe, encadrant technique, qui va montrer les bons gestes et favoriser l'apprentissage de ses salariés. L'objectif de Chantier Plus, c'est de faire en sorte que ces salariés qui sont avec nous pendant un temps plutôt court puissent prendre de nombreuses compétences et ensuite valoriser ces compétences sur le marché du travail classique. Si vous aussi vous connaissez des initiatives qui changent nos vies, dites-le nous en commentaire.